Salut à tous et soyez les bienvenus sur YouTube. Sejam todos muito bem-vindos no YouTube. Hoje a gente vai continuar aqui a nossa leitura do Petit Prince, Pequeno Príncipe, em francês. A gente já leu os capítulos 1, 2, 3, 4 na primeira aula que a gente fez disso, que foi na segunda-feira. Na terça-feira, ontem, a gente leu os capítulos 5, 6, 7, 8, 9 e hoje a gente vai começar pelo capítulo 10. Mas antes, me deixem entrar aqui pelo Instagram também. Um segundo, estou aqui num café, parei aqui para conseguir fazer a aula para vocês. Então, deixa eu avisar só a galera aqui. Copiando. Deixa eu avisar aqui. Quem aqui está ansioso, ansiosa? Quem tem assistido as aulas de leitura do Pequeno Príncipe? Por favor, me contem aqui nos comentários. E a gente já vai começar já já. Salut à tous! Vamos ler juntos o Pequeno Príncipe francês. Marta lá para cima e vem ler comigo no YouTube. Já vamos começar aqui pelo YouTube, ansiosa. Prontinho. Estamos quase. Salut, Paulo Silva Bonfim. Tem um bebê brincando com uma tomada. Não é uma boa ideia, hein, Théo? Pega esse aqui. Prontinho. Então, salut à tous, c'est Suelle, bienvenue sur Instagram e sur YouTube. Estamos online aqui nas duas redes para a gente continuar o nosso exercício de leitura em francês. Então, você que está entrando pelo Instagram, se possível, entre pelo YouTube. Eu deixei o link do meu último stories, é só você arrastar a tela para cima ou aproveita essa aula para ouvir e treinar aí a sua compreensão oral. Na aula de hoje, minha câmera também torta. Na aula de hoje, com acompanhamento do pequeno Théo, vamos ler a partir do capítulo 10 do livro Le Petit Prince. Os outros capítulos já foram lidos nas aulas anteriores. Se você quiser encontrar esses capítulos, é só você entrar no meu YouTube. Tem lá essas aulas disponíveis para vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Preciso só deixar abertinho. Dê-me mais um segundo. Aqui. Olha, eu espero que vocês estejam me escutando bem aí, por aí. Eu estou aqui num café, como eu falei para vocês. Eu parei aqui num lugar e eu vou fazer essa leitura daqui mesmo, tá bom? Então, como eu disse, eu já li os primeiros capítulos aqui com vocês. E a gente vai começar hoje do capítulo 10. Qu'est-ce qu'il y a, petit bisou? Hein, tu veux te voir? T'as un cassé, oui. C'est un beau bébé qui est là. Eu vou entrando aqui. Eu tô no YouTube já conectada aí, galera. Se você tá entrando pelo Instagram, hoje nossa aula é papum aqui, essa aula da tarde. É uma aula mais direta aqui pra gente treinar a pronúncia. Você pode ler junto comigo ou ouvido. Então, você tá só no Instagram, você vai tentar entender. Eu vou ler aqui, eu não vou ler num ritmo diferente, tá? Eu vou ler como eu leria pro Théo mesmo. Então, vamos nessa. Chapitre 10, capítulo 10, então, do livro Le Petit Prince. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter. Oh, donnez-moi une seconde, ça en secondine. Non. Comme ça. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Le roi siégeait habillé de pourpre. Deixa eu abrir no carrinho e a gente vai voltar. Voilà. Voilà, Théo. Regarde. Vamos mostrar o Théo? Não? Então vamos lá. O Théo tá com sono, né, gente? Então vamos lá. Vamos recomeçar essa última frase aqui. La première était habitée par un roi.
le roi siégeait habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux. Majestueux. Voyez, je savais pas où regarder le roi. Voilà. Ah, voilà un sujet, s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda, comment peut-il me reconnaître? Le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi, que je te vois mieux, lui dit le roi qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et comme il était fatigué, il bâilla. Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore, c'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. Tantôt de bâiller et tantôt de... Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que non... Oh Théo, à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérerait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu, mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Puis-je m'asseoir ? S'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? Sire, lui dit-il. Je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout, répondit le roi avec une grande simplicité. Surtout, le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Surtout ça, dit le petit prince. Surtout ça, répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent ? Bien sûr, lui dit le roi. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72 ou même à 100 ou même 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir, ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon ou d'écrire une tragédie ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort ? Ce serait vous, dit fermement le petit prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors mon coucher de soleil, rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai.
mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il ? S'informa le petit prince. Lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. Ce sera vers 7h40 et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince bâilla. Il regrettait ce coucher de soleil manqué et puis il s'ennuyait déjà un peu. Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi ? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici, dit le roi. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort et je préfère que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis avec un soupir, prit le départ. « Ne te fais pas, mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. « Excusez-moi, je te fais, mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Estamos aqui lendo O Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, em francês. Então, se você está entrando agora, não sabe o que está acontecendo, então agora você já sabe. Estamos lendo aqui O Pequeno Príncipe. Pois é, o Theo estava cheio de energia, o Paulo pegou ele para dar uma volta, a gente foi num café trabalhar. E compartilhem aí, mandem para as pessoas que a gente está lendo aqui O Pequeno Príncipe. Você pode assistir a gravação ou assistir ao vivo. Agora a gente vai ler o capítulo 11. Então vamos nessa. Chapitre 11. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, ah! Voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour, dit le petit prince. Vous avez un drôle de chapeau ?»« C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. »« Ah oui ?» dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre, » conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, » se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe, » demanda-t-il, « que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas, les vaniteux n'entendent jamais les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer ? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même.
Je t'admire, dit le petit prince en haussant un peu ses épaules, les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le petit prince s'en fout. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Pronto, lemos o capítulo 11 e agora vamos ao capítulo 12 do livro Le Petit Prince, Pequeno Príncipe, que muita gente conhece em português ou em outras línguas, e é um livro francês. Então vamos lá ler o capítulo número 12 agora. Para você acompanhar a leitura e acompanhar o texto, você pode entrar pelo YouTube. Vamos lá. Chapitre 12. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ? » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je vais ouvrir ici pour pouvoir tomber mon café. « Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu ? » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » répondit le buveur, qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi ? » s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire, » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. Chapitre 13. Agora, capítulo 13 do Petit Prince. Vamos lá. Deixa eu dar um gole do meu café para hidratar. La quatrième planète était celle d'un businessman. Businessman. Cet homme était si préoccupé, qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. 5, 5 et 12, 12 et 3, 15, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... Je sais plus. J'ai tellement de travail, je suis sérieux moi. Je ne m'amuse pas à, les balivernes, à des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi, répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc, 501 millions. Millions de quoi ? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches ? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles ? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles ! C'est bien ça ? Des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? 501 622 731. Je suis sérieux. Moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles ? Ce que j'en fais ? Oui. Rien ? Je les possède ? Tu possèdes les étoiles ? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très, très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? Acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve.
Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il résonne un peu comme un ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder des étoiles ? À qui sont-elles ? Riposta Grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit ? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu ? Je les gère, je les compte, je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'écris sur un papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier là dans un tiroir. Et c'est tout ? Ça suffit ? C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. « Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur que je possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. Pronto, lemos aqui o capítulo 13 do livro Le Petit Prince. Vamos agora ao capítulo 14. On y va. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel sur une planète sans maison ni population un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même. Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens ? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Je ne comprends pas, » dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre, » dit l'allumeur. « La consigne, c'est la consigne. Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Puis, il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux. Là, je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ? La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Oh, un mois ? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise ou lui aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, dit l'allumeur.
car on peut être à la fois fidèle et paresseux, le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivit plus loin son voyage. Celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraissait pas ridicule. C'est peut-être parce que d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1404 couchers de soleil par 24 heures. Chapitre 15. Salut, tô vendo que vocês estão me perguntando o que eu tô fazendo aqui. E essa live aqui é uma leitura do Pequeno Príncipe. Então agora eu vou ler o último capítulo de hoje, capítulo 15. Se você quiser acompanhar a leitura, você pode entrar pelo YouTube. Vamos lá. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et s'essouffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu ? » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ? » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe, » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ? » ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »« Ça, c'est bien intéressant, » dit le petit prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»« Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Hein ?» Le petit prince était déçu. « Et des montagnes ?»« Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Et des villes, et des fleuves, et des déserts ?»« Je ne puis pas le savoir non plus, » dit le géographe. Mais vous, c'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si le souvenir de l'un d'entre eux lui paraissait intéressant, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi, un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Dit le petit prince. Parce que les ivrognes voient en double. Alors, le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir ? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et 1 volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli
jolie parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça signifie éphémère? Les géographies, c'est de géographie. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince. Et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'enfuit, songeant à sa fleur. Et voilà. Pronto. Vemos aqui mais alguns capítulos do livro Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe, em francês, para vocês treinarem não só a pronúncia de vocês, repetindo o que eu estou lendo, mas também para vocês treinarem a escuta. Se você está assistindo essa live pelo Instagram, você não acompanhou o que eu estava lendo, mas você conseguiu treinar escutando o que eu estava lendo. Você pode ouvir durante 24 horas essa live ou assistir pelo YouTube, d'accord? E eu não sei para onde o Paulo foi com o Theo, mas eu agradeço muito a todos vocês. E eu vejo vocês amanhã, às 11 horas da manhã. Lembrando, para quem está participando da incrível semana do Mergulho Francês, La Incroyable Semaine de la Plongée Française, hoje foi ao ar a aula 2. Então não perca a oportunidade de assistir essa aula. E a gente se vê amanhã, às 11 da manhã, na nossa aula de francês básico. Bisous et à très bientôt. Tchau, tchau. Bisous, tchau, tchau. À bientôt.